Et salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui Colis du Japon, un jeu top attendu que j'attendais. Et ouais, que j'ai acheté sur internet. Donc bah, je l'ai commandé sur eBay malheureusement parce que je voulais me le prendre à sa sortie donc en décembre. Donc on est quoi là? On est en mars bientôt là. On est fin février. Donc là aujourd'hui j'ai reçu. On est je crois le 27, si j'ai pas de conneries. J'ai pas ma date sur moi. Et là, oh, en plus, je suis pas bien, je suis un petit peu malade avec le temps qui file, il fait froid, il fait chaud, etc. Vous savez comment c'est. Et donc, j'espère que ça finit bien de mon côté. Parce que là, je fais qu'une perche, voilà. Et donc, je l'ai reçu. J'ai un petit peu ouvert en avance pour savoir. Vu la taille, c'est bien le fameux collector. Et je crois qu'il est vraiment pas si évident que ça. Ouais, putain, magnifique, il est bien emballé. Putain, ils sont fous. Ouais, ils sont magnifiques, les japonais. Et si je le montre, voilà, en plus. Si je le montre, voilà, vous voyez en plus. Le Samurai Maiden, il est déjà. Ouais, utilisé. Bon, il y a peut-être le code. Peut-être le code, il n'est pas utilisé. Et c'est un mec qui l'a revendu. À mon avis, c'est déjà un mec qui l'a fini le jeu. Mais par contre, le collector, tu vois qu'il n'a pas été utilisé. Avec, bien sûr, les codes, le code vous avez vu là, c'est un code japonais. Pour la PSN japonais. J'espère que le code il a été utilisé ou pas. Ça aurait été dommage que je claque. Quelques sous, voilà. Bien sûr, avec petit goodies, je crois que c'est une plaque. Je crois que c'est une plaque si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est une plaque. Voilà. Et bien sûr, quelques petites cartes. On va les ouvrir après. Et bien sûr, le top attendu. Parce que ça, c'est une édition Famitsu. Voilà. Bien sûr. Là vous allez dire mais c'est quoi ça? Une toile. Une toile. Je vais poser ça. On va commencer déjà par le chose. En plus c'est bien parce que j'ai pris sur PS4. On pourra jouer sur PS5 aussi. Avec le upgrade. Donc voilà. Donc on va commencer par celui-ci. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Alors ça a l'air. Ouais, ça a l'air d'une plaque. Je vois qu'il y a un support. Donc, je pense que ça va être un cadre. Ouais. Je vois l'espèce de support là. Je sais pas si on voit bien. Ça a l'air. Et ben c'est un cadre comment dire, un peu comme en vitre. Ouais. Que je me demande s'il faut mettre là-dedans comme ça. Je vais voir. Alors. Comment on ouvre ce truc? Il y a un truc là en fait là. Ok d'accord, ces deux pattes, s'il veut bien sortir, le scotch, chiant. C'est la première fois que je sors mes collecteurs comme ça, des fois il y a des collecteurs que je n'utilise pas, et c'est des éditions spéciales, donc c'est pas des éditions par certaines trucs. D'ailleurs ce jeu est Samurai Maiden et fait par Namco. Il fait par des trois publishers, mais distribué par, par Bandai Namco. Est-ce que j'ai vu derrière la boîte, vite fait. Comme ça. Ouais, ça tient pas par contre.
Ça tient pas vraiment. Ça tient pas trop bien. Ça tient vraiment pas bien. En fait, c'est des espèces de supports. Voilà, t'as là. Voilà, une espèce de support. Ok. Qu'est-ce que c'est de ça? Alors, ça, ça a l'air des cartes postales. Je ne sais pas si c'est peut-être des petits artworks. Je sais pas si je suis vraiment le premier, l'un des premiers français, donc là, avec les photos des protagonistes, bien sûr. Magnifique. Quatre protagonistes, voilà. Je sais même pas si je suis le seul français. Je suis le français qui est ce jeu, quoi. Mais je l'attendais tellement, ce jeu. Big up à Kirito, bien sûr, Kirito Otaku ou Mega Games, je crois qu'il s'appelle, sa chaîne. Et c'est grâce à lui qui m'a donné envie de le prendre, ce jeu. Et là, j'ai la édition Famitsu. Alors, j'espère que je vais pas me faire pomper par. Wouh! Ah, c'est beau ça! Alors, je sais pas. Je sais pas si je vais bouger la caméra. Voilà, magnifique cette toile. Je pense que je vais la mettre au mur, cette toile. Elle est magnifique. Je sais pas vous, mais elle est magnifique. Voilà. Ah là 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 là. Ça y est, je deviens fou. Et ben, ça va être direct au mur. Donc, près de la télé. Que je vais le mettre. Hop, je vais le mettre de côté. Voilà. Et on va retourner là, bien sûr. Voilà. Franchement, il est topissime. Ce petit édition Famitsu. Franchement, je le trouve magnifique. Avec ces petites cartes de. Voilà. De toute façon, c'était. Dans le précommande de Leaning Game, j'avais vu qu'ils ont montré ça. D'ailleurs, Leaning Game, la prochaine fois, quand je vois un truc en précommande, je le préco. Je fais plus le coup comme j'avais fait avant avec Hatsune Miku. Parce qu'ils étaient en sold out. J'ai vu qu'ils ont mis. Sold out, je sais plus quoi, je vous envoie la photo là dans du screen qui était voilà quoi. Par contre, j'ai un peu de mal à remettre. Ouais, c'est vraiment collant. Ça va pas arracher le truc. Je vais éviter. Je vais faire ça tranquille après. Mais franchement, magnifique. Franchement, petite édition limitée. Par contre, ouais, je vois que le jeu il a été dévisté. Donc, à mon avis, je crois que le gars il a dû jouer, à mon avis. Et je vois qu'il y a des DLC encore. Il y a un autre papier DLC. Alors j'espère qu'il marche. Je testerai sur mon couteau japonais PSN. Et hâte de faire des lives dessus. Donc, je ferai des lives sur PS5. Et j'essaierai de faire une version PS4 avec ma PS4 japonaise. Voir si ma PS4 aussi, comme j'ai dit à Renard Rusé, big up à lui. Hein. Elle est fraîche, hein, j'ai envie de dire. Et franchement, je vais pas vous mentir, la toile, elle est fraîche. Et vraiment, elle est fraîche. Hein. Elle est fraîche. Donc voilà. Comme je dis, ouais, donc j'ai hâte de faire des lives dessus. Hâte de faire des lives dessus. Et franchement, au top. On est là, au top. Et franchement, je suis sous le charme. Je suis déjà sous le charme de ce jeu. J'ai hâte de faire des lives dessus. Je sais pas si je vais essayer sur Twitch. Je sais pas si sur Twitch ça peut passer. Bon, après, il n'y a pas de trop d'unité, etc. Mais je pense à mon avis, il faut que je mette 18+. Et ouais, donc d'ailleurs, ce que je disais, donc logo D3 Publisher et en dessous Bandai Namco. Ils ont été achetés par Bandai Namco. Ouais. D3 Publisher maintenant. Voilà, voilà. Donc. Putain, j'ai plus les mots, j'arrive plus. Je suis pas bien à mon avis. Voilà. Putain, j'avais une chose à la gorge déjà, ça m'énerve. Bon, bah voilà, j'espère que cette petit unboxing vous a vraiment plu. Et bah, on se dit à bientôt pour un live. Et moi, bah, je vous laisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Flo. Moi, je vous fais de grosses bises. Allez, ciao!